Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui on se lance dans une grande aventure. Dans une nouvelle aventure en tout cas, je sais pas si elle sera grande. Mais voilà, je vais m'essayer à l'eau douce. Il paraît que c'est la bonne période. Et bah objectif brochet, hein, on va pas tergiverser. Objectif brochet. Voilà, j'ai acheté ma carte il y a quelques jours. Donc aujourd'hui on est sur un plan d'eau qui est assez réputé. Et j'ai la chance que ce soit juste à côté de chez moi. Alors peut-être que certains vont bien rigoler sur cette vidéo. Tous les pros du brochet, bah je m'excuse par avance si je dis des conneries et si je fais des bêtises. Et voilà, aujourd'hui, on est parti pour une session brochet. Du coup, je me suis préparé un Omega en taille 15, coloris Dual Chart, dos vert fluo et ventre jaune fluo, avec une tête pompée de 5 grammes en taille d'hameçon 8-0. Voilà, histoire d'avoir un hameçon un peu costaud et qui sort bien, qui est bien prêt à piquer. Voilà, bas de ligne en 70 centièmes. Voilà, j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour prendre de vos conseils et c'est ce qui en est ressorti. Donc bas de ligne 70 centièmes. Et après j'ai mon petit fluoro pour le bar. Donc on est en 28 centièmes derrière. Voilà, avec un petit nœud, je me rappelle plus le nom. Chaque fois j'ai du mal avec ce nom. Donc voilà, on est parti, on a beaucoup de temps devant nous. Et j'espère que l'objectif sera rempli. Allez, c'est parti. Alors du coup, l'objectif, enfin, ma façon de voir là, les choses, ça va être d'essayer les bordures, de tourner tout autour du lac en faisant les bordures. Si ça marche pas, on va essayer de se recentrer un peu plus au milieu du lac et tester un peu plus en profondeur. Il faut savoir que je connais pas du tout les fonds du lac, etc., comment il est fait. Donc ça va être la grosse découverte. Je vous embarque vraiment à mes tout débuts de cette pêche au brochet. Donc voilà, j'espère qu'on aura quand même des petits résultats sympas. Allez, c'est parti pour le premier lancer. Hop. Donc là, pour le coup, je vais pas donner des coups de canne, je vais juste donner des petits coups de moulinet. Et je vais venir essayer de surfer un peu sur la surface. Que le bout de la queue vienne faire des petits clapots en surface. C'est comme ça que j'avais imaginé ma façon de faire, mais maintenant faut que ce soit faut que ce soit validé quoi. Alors je sais que beaucoup pêchent très lentement. Moi, je vais pas encore avoir ce confort là parce que je suis pas forcément équipé pour. Mais je vais faire de mon mieux pour varier les techniques si une ne marche pas. Je vais essayer de faire mon mieux. J'ai aussi pris plusieurs leurres, donc on va pouvoir varier un petit peu s'il y a des petites lacunes. C'est ouf. C'est tellement confortable de ne pas penser à la marée, au vent, aux vagues, à la hauteur d'eau. Et là, vous voyez, je donne un petit coup de pédalier et hop, ça trace tout seul. Ça, c'est vraiment super agréable. Évidemment, on n'est pas à l'abri de faire du cendre aujourd'hui. Hein. Donc, tout ce qui est brochet-cendre, hein, le duo que certains connaissent bien d'entre vous, là. Le duo brochet-cendre, c'est l'objectif du jour. Brochet en particulier, cendre si c'est du bonus, je suis preneur. J'ai hâte d'avoir la première attaque. Thank you.
Bon, j'ai fait beaucoup de bordures, aucun résultat. Donc, c'était un peu la phase 1 de cet essai. Ce qu'on va faire maintenant... Oh putain. Ha ! Je viens de voir une carpe. Donc je disais, maintenant, on va essayer de trouver un peu plus de fond, d'aller un peu plus dans le centre du lac et voir ce que ça peut donner. C'est vrai que là, j'ai vraiment pas vu d'activité, pas de suivi, pas de touche apparente en tout cas. On va tenter autre chose et on se retrouve tout de suite en action de pêche. Allez, c'est parti. Bon, on n'est pas au centre du lac, hein, mais on a un peu plus de fond. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est tout simplement changer de leurre et mettre le même, mais en un peu plus plombé. On aura une nage un peu plus dynamique et on ira un peu plus traîner au fond. Je sais pas du tout combien de fond il y a, mais ce que je sais, c'est que les bordures, ça n'a pas été très efficace. Bah, on va mesurer tout de suite un peu combien il y a de fond en laissant tomber la ligne. Ouais, il n'y a vraiment pas grand chose non plus, hein. Il doit y avoir un mètre tout au plus. Donc c'est un peu le même délire, sauf que bon, y a plus de fond tout simplement. Tout de suite, je sens en plus mon leurre déjà. Et je sens que je touche un peu le fond. Ouais, c'est beaucoup plus dynamique. Oh, dommage! Ça, c'était touche. Je vais voir un peu le leurre. Ouf. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est comme ça. Ça veut dire que j'ai peut-être trouvé la bonne technique. C'est parti. Oh la vache. Bah alors mon pote. Yes! Alors, je savais pas que les brochets tournaient sur eux-mêmes. Parce que là, il a fait un peu comme une orfille. Il a tournoyé sur lui-même. Et il m'a fait un sacré bazar. Hop! Waouh, super! Premier brochet. Génial. Bon, bah, la technique, c'était de bouger, tout simplement. Se prospecter. Et d'aller un peu plus profond que au début. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait, mon gars? Tu m'as fait un sacré bazar. Ah, super. Tu t'es défait tout seul. Ça m'arrange. Bon, alors, je sais pas tenir un brochet. J'ai vu un petit tuto. Mais est-ce que je vais y arriver? J'espère que oui. Voilà le petit broc qui fait plaisir. Super. On va le prendre dans l'autre sens. Super. Premier brochet. Avec l'Oméga. Dual chart qui est toujours en mêlée. Hop là,
qui a pris un petit peu, hein, qui a pris quelques coups là. Bon, je vais le laisser en vivier, le temps de voir s'il n'y a pas des petits copains. Et c'est vrai que bah, j'ai enchaîné les touches là. Donc est-ce que c'était que lui ou est-ce qu'il y en avait d'autres? Ça c'est la question. Donc je vais tout de suite m'y remettre en espérant qu'il y ait d'autres copains. Hop là, super. Alors je vais essayer de lui faire quelques photos de celui-là. C'est des poissons qui ont la patate, hein, quand même. Hop. Bon, ça fait deux en 5 minutes. Je pense que j'ai trouvé la zone. J'espère. Il s'est décroché tout seul comme un grand. Ça, c'est cool. Le fil, il va bien. Le leurre commence à tirer un peu la tronche. Mais il est toujours bon. Et donc, je vais m'entraîner un petit peu à tenir un brochet dans les mains parce que... Voilà. Ok. Bon, et bah petit brochet de... Je sais pas moi, il doit faire 50. Et l'autre, un peu plus gros. Je fais ça pour m'entraîner. Hein. À tenir un brochet dans les mains. Voilà. L'autre un peu plus trapu, ils sont pas significativement plus grands l'un que l'autre, mais lui il est plus costaud. Voilà. Bon, et ben voilà, deux brochets en 5 minutes. Hop. Super. Ils repartent tout doucement. Ça fait plaisir. Yes! Ouais, ça c'est costaud. Oh putain. Oh la vache. Ouais. Hop là. Et il s'est décroché. Wouh! Record là, brochet! Record! Trop cool! Ah, les belles sensations! C'est chouette! Avec toujours le méga qui est en phase terminale. L'oméga Dual Chart qui signe la fin de son histoire. On va le remplacer. Alors, faut que je comprenne comment les prendre. C'est pour ça que je les manipule exprès. J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on les
là. Ok, comme ça. Super, trop bien. Lui doit faire 60 et quelques. Super, trop content. Trop content. On va faire quelques petites photos quand même. Allez, petit release, on va pas tarder. Hop. Et repart doucement. Super. Hop là, petite pause juste pour vous dire que c'est bientôt Noël et que sur le shop, il y a du coup des cartes cadeaux pour ceux qui veulent se faire plaisir sur des produits Gueule de Loup. Et ben n'hésitez pas à y faire penser à vos amis ou à votre famille. Voilà, des petites cartes cadeaux de 20 à 100 euros sur la boutique. Et tout se passe sous le système d'un code promo en fait. Vous obtenez un code et derrière, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Voilà. Bon. Revenons-en à la vidéo. Bon, maintenant, il va falloir qu'on change de leurre. Hop. C'est tout simple. Eh ben, ça a beaucoup de mucus, dis donc, les poissons d'eau douce. Ça a vraiment beaucoup de mucus. Du coup, j'ai le kayak qui est en mode bain moussant. Hop. Nouveau leurre. On va se mettre le même, plomber un tout petit peu moins, mais ça reste même délire. Voilà, juste une tête plombée un peu plus petite. Bon bah trois brochets, c'est cool, je suis très content, le dernier était joli. Pourvu que on continue à augmenter en taille. Très fier de mon petit leurre. Allez, on y retourne. Let's go. Donc finalement, la technique, c'était bel et bien de trouver un peu plus de fond. Contrairement à ce que je pensais en début de session. Et d'animer un petit peu en mode barre, hein, tout simplement. Début de session, j'étais vraiment très très linéaire. Et là, vous voyez, je commence à faire un peu du twitching. Et c'est là-dessus que j'ai l'impression que ça se déclenche. Bon, j'ai plus beaucoup de résultats. On va insister encore un petit peu et si ça marche toujours pas, on va se mettre un petit leurre dur, un petit Mister Joe en chartreux. Je sais pas si c'est commun de faire ça en eau douce. Mais on va faire ça. C'est un truc très très bruiteur qui fout un peu le bazar. Et je pense que ça peut être intéressant. Allez, petit Mister Joe, c'est parti. Hop, voilà la bête. Mister Joe, chartreux. Fait du bruit, hein. Et donc là, avec tout ce boucan, peut-être que ça va les réveiller. J'espère. Allez, let's go. Oula, j'ai pris une tape. Oula. Je sais pas si vous avez vu à la caméra. Il y a un beau suivi. Un très beau suivi. Il y a un petit vent constant qui me pousse, qui me fait un peu tourner sur moi-même. C'est pas agréable pour pêcher. Mais bon, c'est pas bien grave.
Allez, sur la fin. Ouh. Hop là, c'est dans l'épuisette. Super. Ah ouais, bon bah là, on a le plus gros de la session, je crois. Ouais, record battu, je crois. Avec l'Omega White Pearl, ça c'est cool. Super. Ah, il est beau, il y a des belles couleurs, magnifique. Bon là, il doit être au-dessus de 65. On a grappillé quelques centimètres depuis l'autre. Mais bon, trop cool. Génial. Allez, lui, on va le relâcher tout de suite. Il était piqué parfaitement. Hop. Allez. Super. Génial. L'Omega, il a quelques coups, mais il va bien. Le fil, il va bien. Bon, bah on va continuer encore un petit peu. Il y a eu une bonne petite pause là entre les trois que j'ai presque enchaînés et celui-là. Bon, ça valait peut-être le coup d'essayer plusieurs choses, hein, mais bon, au moins on comprend un peu comment ça fonctionne. Ça reste quand même la première session brochet que je fais, donc j'étais déjà très 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 content du résultat. C'était des perches, ça. C'était des perches. Des petites touches. Ça me fait penser au macro. C'est des perches ou quoi? C'est sûr que c'est des perches. Ça c'est gros. C'est gros. C'est correct en tout cas. Hop là! Là, il me fait un sacré bazar. Pas vraiment, pote. Là, il a été piqué un peu loin. Je vais devoir sortir la pince. Petite pince chirurgicale. Et on va régler ça en 2 secondes. Voilà. Bon, ça, c'est sauvé. Hop. Ça, c'est dans l'épuisette. Ah bah, il m'a coupé. Regardez-moi ça. Sérieusement. Bon, et ben on va s'arrêter là. C'était une super session. C'était une longue session aussi. J'ai mis du temps à comprendre où est-ce qu'ils étaient, quelle heure prendre, quelle façon d'animer. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais voilà, on s'en sort avec 5 poissons, je crois. Ils étaient tous très jolis. Dans le sens où voilà, c'était pas des petits, c'était au moins des moyens. Donc je suis très content de ça. Ça m'a permis de tester aussi mon matos que j'ai acheté là, le Fluoro en 70.
de tester aussi mes nœuds, parce que c'est des nœuds que j'utilise pas d'habitude. Donc je suis très content de tout ça. J'ai très hâte de revenir. Là en ce moment il y a un petit peu de vent, donc je me suis jeté sur cette journée où cette journée qui était assez isolée. Donc pourvu que je puisse réitérer l'expérience rapidement. En tout cas vous serez vite informés. Voilà, les premiers brochets, ça c'est vraiment cool. Je suis très content. Ça faisait longtemps que je cherchais un plan d'eau douce dans lequel je puisse avoir confiance. J'avais pris une carte l'année dernière, mais je pêchais sur un plan d'eau un peu touristique et ça prenait pas, j'arrivais pas tout simplement. Je pense que c'était pas un plan d'eau très poissonneux et que c'était un plan d'eau assez bazardeux, dans le sens où il y avait plein d'activités touristiques et que c'était vraiment pas l'idéal quoi. Voilà, et bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah, n'hésitez pas à regarder aussi le shop, la boutique en ligne, si vous voulez vous procurer des Omega, particulièrement du coup des White Pearl et des Dual Shards, c'est ceux qui ont marché aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit j'aime si vous le souhaitez. Et nous, bah, on se retrouve très bientôt, j'espère. Bah, allez, j'arrête mon petit blabla habituel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite. Salut !